Das ist ein Schweinekotelett. Und das eine biomimetische Nase, die die Funktionsweise einer menschlichen Nase imitiert. Aber wo ist da die Verknüpfung? Wir haben uns an den internationalen Experten für Geruchssinn, Jérôme Golubiowski von der Universität Nizza, gewandt. Er hat sich nicht zufällig dort niedergelassen. Ganz in der Nähe liegt nämlich die Stadt Grasse, berühmt für ihre Parfums. Alors Grasse est devenue la capitale mondiale des parfums en travaillant d'abord sur le cuir, puisque Grasse était la ville du cuir. Et le cuir tanné, ça sent pas très bon. Et donc les Grassois ont décidé d'ajouter des parfums à ces cuirs pour rendre le travail du cuir plus agréable et aussi la vente plus agréable. Et puis ils se sont rendus compte en fait que la vente du parfum était plus lucrative et plus intéressante que celle du cuir. Donc le cuir a été abandonné et c'est devenu la capitale mondiale du parfum. Um den Geruchssinn zu verstehen, bleibt noch viel zu tun. Ist der am wenigsten erforschte unserer Sinne. On a même du mal à caractériser quelqu'un qui ne perçoit pas les odeurs. Très peu de gens savent que ça s'appelle un anosmique. Alors qu'on connaît tous un aveugle ou un non-voyant, un sourd. Alors que l'anosmie et la gueusie, qui sont les deux sens chimiques, ils sont mal connus, effectivement, parce qu'on part du principe que ce n'est pas des sens très vitaux, en fait. Eine große Ungerechtigkeit, wenn man bedenkt, welchen Platz der Geruchssinn in unserem Genom einnimmt. Ihm gehören 3% unserer Gene. De ce point de vue-là, c'est quelque chose que le corps humain va utiliser de manière intensive, bien évidemment dans la perception des odeurs, mais on a pu découvrir qu'en fait les récepteurs olfactifs pouvaient aussi être utilisés ailleurs, dans des organes qui n'ont rien d'olfactif, dans le foie, sur la peau, dans les spermatozoïdes notamment. C'est à travers l'utilisation d'un récepteur olfactif que le spermatozoïde va trouver l'ovule. Donc en fait, on peut considérer que le sens de l'odorat est à l'origine de la vie, puisque sans lui, le spermatozoïde ne trouverait jamais sa cible. Linda Buck und Richard Axel, die 2004 für ihre Entdeckung der Geruchsrezeptoren mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden, haben die Grundlagen gelegt. L'odorat, ça fonctionne avec des neurones qui sont la seule partie de notre cerveau exposée à l'air libre. En fait, l'odorat, c'est la stratégie utilisée par notre cerveau pour détecter son environnement volatile. Et ces neurones olfactifs, ils expriment des petits récepteurs biologiques. C'est les fameux récepteurs olfactifs, découverts par les lauréats du Nobel, qui vont aller détecter la présence de molécules odorantes. Ces neurones et ces récepteurs olfactifs, il y en a 400 types différents. Donc percevoir une odeur, c'est comme percevoir un accord musical sur un piano à 400 touches. Spielst du Klavier, Jérôme? Pas du tout. Non, j'ai fait un peu de trompette quand j'avais 13-14 ans, mais ça s'est vite arrêté. Seitdem versuchen Jérôme und sein Team mehr über die Form der Moleküle herauszufinden, die zum Beispiel den Geruch einer Rose, einer Orange oder eines gut gereiften Käses bestimmt. Denn die Form verrät uns Informationen über die Quelle des Geruchs und löst auch Emotionen in uns aus. On part du principe que tout est centré sur la structure, parce que nous on est chimiste et que bien évidemment en tant que chimiste on part du principe que tout est dans la molécule. Si la molécule n'existe pas, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Donc on part du principe que tout est là-dedans. Sie arbeiten mit Versuchskaninchen. Heute ist es zum Beispiel diese junge Frau. Je suis Emmanuel. Sehr erfreut, Emmanuel. Um herauszufinden, was sie bei bestimmten Gerüchen empfindet, untersuchen sie ihren Herzschlag, ihre Atmung sowie ihre Transpiration. Sie arbeiten an einem Modell über die Abläufe in unserer Nase. Daraus entstand dieses kleine Filmchen. All das dient letztlich der Herstellung einer biomimetischen Nase, die Gerüche ausschließlich anhand der Molekülform erkennen kann. Einer der Durchbrüche wurde mit Hilfe des Geruchsrezeptors 7D4 erzielt, der auf ein bestimmtes Molekül spezialisiert ist, das Androsteron. Lorsqu'on va avoir une ou deux lettres qui vont changer dans le génome associé à ce récepteur 7D4, cet androsténone, on va l'apercevoir soit comme étant inodore, soit comme étant associé à une odeur plutôt mielée, plutôt agréable, soit associé à une odeur très animale ou urine. C'est ni l'urine, ni... Enfin, on sort un petit pipi de soirée, quoi. Je dirais l'urine. C'est accessoirement une molécule qui est la phéromone sexuelle du cochon. Donc ça veut dire que le mâle cochon génère cette molécule dans son sang et dans sa viande. Et donc en fonction de la nature du récepteur 7D4, on va avoir une perception de la viande de porc qui va être éventuellement teintée d'une note un peu animale, un peu urine, un peu costaud.
Sauf pour les gens qui ont cette mutation, on ne va pas percevoir cette odeur particulière. Pour autant, il s'avère qu'on a adapté la façon dont on a élevé nos porcs ou nos cochons, en fait sans le savoir, à notre génome du récepteur 7D4. Dass die Franzosen Fleisch von kastrierten Schweinen bevorzugen und die Briten das von nicht kastrierten, liegt am Genom der Bevölkerung. In Frankreich weist die Mehrheit der Bevölkerung keine Mutation im Gen des Geruchsrezeptors 7D4 auf, in Großbritannien schon. Guten Appetit! Eine wichtige Entdeckung für die biomimetische Nase, mit deren Hilfe man Moleküle kreieren könnte, die zwar denselben Geruch, jedoch eine andere Form hätten. Das wäre hilfreich bei Allergien. Gesundheit. Jérôme, würde diese Nase eigentlich wie eine menschliche Nase aussehen? Non, le nez biomimétique ressemble pas à un nez, en fait, il ressemble à un écran d'ordinateur, en fait, ou à une succession de processeurs ou de cartes graphiques de jeux vidéo. Also echt, Leute, eure Deko ist totaler Blödsinn. Naja, wir dachten, das würde irgendwie netter aussehen. Gut, ich frage mal bei Jérôme nach. À la fin, on pourrait peut-être envisager d'avoir une jolie reconstruction en image de synthèse pour que ce soit un peu plus sexy, mais on s'intéressera à ça que quand ça fonctionnera déjà au niveau informatique.